Allez, salut à tous les amis, c'est Learn to Play, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et on se retrouve sur Star Wars The Old Republic, eh oui! Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas tourné sur Star Wars, dis donc, puisque il y a eu une espèce de mise à jour à la con qui a duré 100 ans, et à chaque fois, chaque fois que je voulais la faire, j'avais un upload en cours, et résultat, ça bouffait la moitié de la collection, de la connexion. Alors, je la mettais pas, et voilà quoi. Au final, je l'ai pas fait pendant une semaine, quoi. Résultat, j'ai réussi à la terminer aujourd'hui, puisque j'ai pas fait d'upload, heureusement, d'ailleurs, mais c'est incroyable. Sur ce jeu, les mises à jour, ça dure que. Enfin, c'est pour corriger des bugs minimes qui prendraient même pas 5 secondes, et là, ça dure, mais. Tellement trop longtemps en fait, c'est pas normal. Ça devrait durer beaucoup moins longtemps, mais bon, bref, c'est pas un souci, c'est pas grave, là je l'ai fait. Et donc aujourd'hui, je ne suis pas en compagnie de Stags, hein, puisque lui a fini sa quête de classe et il m'attend pour quitter la planète du début. Et moi, j'avais besoin de finir ma quête de classe, voilà. Donc là, on va faire ça aujourd'hui, tout seul, tranquillement, et comme ça, au prochain épisode. On sera prêt, on pourra se casser de ce trou. Enfin, et commencer réellement le jeu avec du stuff de fou, beaucoup plus de compétences, une histoire beaucoup plus riche. Enfin, que des bonnes choses, voilà. Et donc maintenant, on se rend tout de suite au marché, enfin au palais de Nemrom. Alors, je sais plus. On va suivre la route, on va rencontrer des ennemis, ça va être sympa. On va expérimenter un tout petit peu, mais bon. J'avais oublié, j'ai une deuxième page. Ouais, c'est ça. Ouais, alors faut que je cible. Eh oh. D'accord, ok. Bon. Ah oui, ce pouvoir est très puissant. Ok, bon, bah, je les ai déglingués. Aussi, donc là, donc j'ai pas encore upload la vidéo Black and White 2, épisode 24. Je l'ai tourné, mais je l'ai pas upload encore. Oh bah. Ok, une grenade one shot. Ouais, ils sont en carton, eux. Oui, j'ai testé la nouvelle configuration de capture avec un micro, un nouveau micro. Et donc le résultat, j'en suis satisfait. Bon, même si Camtasia, enfin le logiciel de montage que j'utilise, bride un petit peu, on va dire, la qualité. Ah, c'est pas très, 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 très clair, on va dire. On entend assez bizarre. Surtout dans les aigus. Oula. Ah, ok, y a un mec qui m'a aidé. Surtout dans les aigus, c'est plus flagrant. Enfin, vous verrez quand je... Quand je uploaderai la vidéo, vous verrez par vous-même et vous m'en direz des nouvelles. Mais là, c'est la deuxième vidéo que je tourne dans cette configuration. Et vous devriez m'y voir parce que c'est franchement fun. Ce que j'ai fait... C'est qui lui? Ah oui, d'accord, c'est un ennemi. On va tirer un peu au blaster normal. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai entassé une pile de boîtes de jeux vidéo. Oui, parce qu'en fait, c'est un... Enfin, c'est un tout petit pied. Le micro a un espèce de petit pied tout petit. Et résultat, comme moi, mon siège est très haut. Et même si je le baisse, je suis obligé de lever la tête pour regarder l'écran. Donc, ça va pas le faire. J'ai entassé des boîtes de jeux vidéo. Et j'ai posé le micro dessus pour qu'il soit pile quasiment en face de ma bouche. Et ça donne un espèce de truc assez marrant. Parce que, résultat, ça me cache à moitié le clavier. Et pour, par exemple, pour mettre la map, appuyer sur M, je vois pas la touche M en fait. Ça s'arrête. Enfin, le champ de vision s'arrête pile au-dessus en fait. Je vois la touche IOP, mais M est juste en dessous, j'arrive pas à voir. Bref. Et tiens, je viens de me rendre compte que j'ai une quête. Ah, j'ai deux quêtes même. Au camp de travail des Ewokis. Bon, on va les prendre, écoutez. Mais là, le principal objectif, c'est la quête de classe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt. Enfin, je vais les prendre. Et si jamais on a le temps, je les fais. Sinon, encore lui? Si jamais on n'a pas le temps, je les ferai tout seul. Pardon. Oui, par ici. Je sais. J'ai une voix étrange. Inutile de me le dire. Pendant 40 ans, Attendez, mais... j'ai travaillé dans les usines au bord du fleuve. Mais aujourd'hui... Ouais. Je ne suis pas un médecin, mais je suis sûr que l'équipe médicale fait. Ce n'est pas un Mais en fait, problème on. Ah oui, il nous redonne la même quête. Vos problèmes environnementaux. Écoutez-moi, s'il est. Il ne fallait. Je n'ai pas le temps. Ok, bon, en fait. Réfléchissez. Ok, c'est la même quête. On n'a pas le temps. Hein. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin, on l'a déjà faite.
c'est pas grave. Ok, on se rend au palais tout de suite. Qu'on en finisse avec cette planète parce que ça commence un peu à... Bon, pas à me saouler, mais bon, voilà quoi. J'ai envie de découvrir plus, plus d'histoires, beaucoup de stuff et de skills surtout. Puisque après, là, on sera hyper puissant. J'ai juste envie de me faire cette espèce de truc dégueulasse, là. One shot, voilà. Ça fait toujours plaisir. On n'a pas perdu la puissance. Tac, tac, tac. J'espère que cette mise à jour, elle a servi parce que sinon... Et on a un mec qui est AFK. Ouh, il a... Oh putain, il a une tronche assez chelou. Ah, mais c'est un cyborg. D'accord, il est pas AFK en fait. Il a eu peur sans doute quand je me suis approché parce que moi j'ai vraiment une tête dégueulasse. Hein. Si je pouvais refaire mon perso, je changerais la coupe de cheveux. Hein. Mais oh, ils sont tranquilles. Ils ont des sièges qui volent. Carrément. Ah, ils sont comme ça eux. Ah, bah il y en a même qui volent. Ok, bah. Oui, parce qu'il faut savoir aussi que au niveau 10, donc là on est niveau 9, bientôt niveau 10, on a la moitié du niveau 9, on aura le sprint intégré pour toujours, et là ça va nous changer la vie. Et encore je dis ça, et après le sprint, on aura bien sûr les montures, et là c'est un autre niveau, mais bon. C'est dans longtemps, et ça coûte cher, donc c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Quoique, on a quand même une petite somme d'argent, bon 3000, ouais, vous allez me dire c'est que dalle, hein. Oui, mais c'est vrai que c'est que dalle, mais on est au début. Bonjour Zerata, heureux d'avoir fait ta connaissance. On va jeter un œil au menu des quêtes. Changement de plan, classe. Ouais, c'est ça, c'est la quête de classe. Vaincre les gardes du corps de Karel Javis. Ah oui, on devait... oui. Karel Javis, c'est l'assistant de Nemo et on devait... on devait le tuer puisque c'était devenu un obstacle. D'ailleurs, ses fils sont décédés aussi. Il voulait me les montrer puisque j'avais accompli des missions pour lui. Mais sauf qu'il s'est... Ce qui s'est passé, c'est que ses fils ont été tués, je ne sais plus où, ils se sont fait agresser ou je sais pas quoi. Et il est pas au courant, et résultat, bah, il n'y a plus rien qui est rattaché à la vie. C'est un peu horrible de dire ça, mais... C'est par où, là? Attendez, je comprends pas. À moins que je sois un petit peu... Ah oui, d'accord, oui, je suis stupide. Ok, c'est bon. J'ai trouvé... C'est par là, on va devoir lui déglinguer la gueule. On sort le blaster. Zone instance. Attendez. C'est par où? Ah merde, non, je me suis trompé d'endroit. Ah oui, voilà, c'est ici. Ok, bah c'est parti. Il y a plein de zones instanciées. En avant. Ah merde. Ah. Ok, ils sont pas gentils. On va utiliser ce pouvoir. Voilà, ça c'est bien ça. Ah merde. Ok, bon bah je l'ai... Ah mais, hein? Ah ok. Oh là 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 là. Je l'ai déglingué. Ah il est là-bas. Attendez. Oh, je sais pas ce que j'ai fait. Ah ok, ça me redonne de la vie. Ok, j'ai tiré sur une espèce de bonbonne. Et là, cinématique. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous croyez peut-être pouvoir changer de camp comme ça? Ordure. Je devais le faire. Je peux vous aider? Faites vos prières. C'est le destin. Vous êtes au bout du chemin, Karels. Oh, c'est horrible. Vous croyez que vous êtes la première raclure qui essaie de me tuer? Vous n'étiez même pas né que je me battais déjà contre des voyous à Jiguna. Oh. Vous ne me faites pas peur. Mais Allez, on nick. Oh ouais, d'accord, ok, mais ils se défendent bien le papy en fait. Hein. Et allez. Ah mais merde, parce que je suis trop loin. Bon, on va se cacher parce que là, on va prendre cher. Mais non, je suis pas caché là. Grenade. Oh yeah. On va lui faire un tir embusqué, peut-être que ça va... Bon, en fait, il bouge pas. Il bouge pas, ce gros. Bon, en fait, il... Ah ouais, quand même, il enlève... Il fait bobo. Grenade. On va lui faire... On va lui mettre tous les pouvoirs, finalement. On va lui mettre le poison. La grenade. Encore la grenade. Et on le finit. Yeah, 477 d'XP. C'est tout. Putain, mais par contre le problème c'est qu'il bouge pas. Ça c'est un peu con ça. C'était pas super. Et il a même pas de stuff. D'accord. On va récupérer. Si. Parler à... Ok. Ok, bon, je dois aller parler à quelqu'un. Hop, on va se barrer. Parler à Tot Lazen. Ok, bon, son corps a disparu. Bon bah voilà, c'est fait.
Il était assez puissant, c'est vrai. J'ai dû me cacher juste derrière son bureau, mais bon, c'est con qu'il bouge pas, c'est dommage ça. J'aime bien quand les ennemis bougent, voilà, c'est un peu plus vivant quoi, enfin, voilà, dans un sens. Il est où cette espèce de gus? Ok, il est dans une autre salle. Je t'assure, bébé, je prends du galon. Ah ouais, c'est cool. On a une petite musique jazzy. Sympa. C'est à qui qu'on doit parler déjà? Ah bah oui, bah, c'est un autre... Ah non, c'est un autre supérieur ou pas? Ah non, mais non, si on va dans la... Ah oui, ça doit être à l'autre dégueulasse. Ah oui, non, salut. Ah putain, mais à chaque fois, je confonds les persos. Ah ah. Ok. Chakita huta kunta chuta kasuyali kulira kanki kun. Apparemment je vous ai sous-estimé. Salut l'ami. Oui, moi aussi je suis content de vous revoir. Choski nao yuchusu. Et c'était sincère. Kabano tase makipuna mali tuta odmishka. Non. Piti yo tenya go kaka jojo. Dabiska ku paliya. Ah bah. C'est une mission rémunérée. Je n'ai pas aidé Karels gratuitement. Vous comptez me payer pour ce boulot? Oh kakiza spida perupa. Kadwa shiniko higa danulia. Ah j'aime. Kliska taka. Yayoska ukle yuga chesko pukuta. Ok. Yinga yinga kijita. Nimni tanuv. Alelo kwekuta. Kunta chuta kasuyali kulira kanki kun. Oka kiza spida perupa kadwa shiniko higa danulia. Ok, mais le problème c'est que c'est moi là, hein. Je crois que je préférerais travailler avec Karels. Chikospa inigudad iji liska chanaga wa buka kampak nijit tonka iliska chanaga. Mais quelle affaire putain, c'était moi là, oh là là. Bon, je dois aller parler à... parler, tout à fait, à mon supérieur. Ben, j'y vais tout de suite. C'est parti. Soit dit en passant, j'ai réglé le nombre d'images par seconde sur 30, comme ça, on descend pas en dessous et on... Voilà, c'est fluide, ça reste fluide. Enfin, voilà, c'est 30 images par seconde. De toute façon, YouTube, c'est 30 images par seconde. Alors, voilà, pas de problème là-dessus. Et puis, ça, voilà, moi, j'ai les performances constantes. Comme ça, ça me permet une plus grande, enfin une meilleure expérience de jeu. Ah, encore une cinématique. Alors c'est là que tu te caches. Encore elle. Jolie. C'est du sang frais par terre ou bien c'était fourni avec la chambre. Séduire. Tiens, tiens. Mon rêve se réalise. Une jolie fille qui m'attend à la maison. Oh. C'est gentil, mais je ne suis pas là pour ça. Pas cette fois en tout cas. Depuis que tu es en ville, les cadavres s'amoncellent et je sais ce que tu as fait à Karels. Non, c'est pas vrai. J'ai un alibi. Oh, il va tout lui dévoiler. Tu cherches un poisson plus gros que Nemro. Je ne sais pas de quoi il s'agit ni même pourquoi, mais je veux en faire partie. Tu as signé ton arrêt de mort, bitch. Tu viens de commettre ta dernière erreur, Kallio. Je crois que j'ai encore quelques erreurs à commettre. Dommage que tu ne veuilles pas en faire partie. Oh non, j'ai pas envie de la tuer. Pas si vite, agent. La violence ne sera peut-être pas nécessaire. Qu'est-ce que c'est? Yo, bitch. Nous savons qui vous êtes, Kallio Janis, et nous avons une proposition à vous faire. Oh. Je suis Cerber. Je représente les services secrets de l'Empire, tout comme mon agent. Nous sommes au fait de vos activités sur Ratatak, Horde Mantel et Brental 4, ainsi que de vos affiliations. Vos talents pourraient s'avérer utiles, et nous sommes donc prêts à vous accueillir parmi nous. Si vous acceptez, vous serez grassement payé pour servir l'Empire. J'ai déjà entendu pire comme proposition. Qu'en penses-tu, agent? Veux-tu de moi à tes côtés? On va bien s'amuser. Je n'ai pas d'objection, ça devrait être drôle. J'avais envie de changer. Même si je voulais te buter, c'est pas grave. Je pense que tu représentes une option durable. C'est d'accord.
Mais dites encore une fois que je sers l'Empire et je vous explose la tête. Oh oui, tu sers l'Empire. Charmant. Nous parlerons des détails plus tard. Quant à vous, agent, Todd Lazen est convaincu que Fatra le Hutt est une menace pour les affaires de Nemro. Bien joué. Il est con. Maintenant, nous devons prouver à Todd Lazen que Fatra est soutenu par la République. Pour cela, il va d'abord falloir récupérer un holodisque dans le palais de Fatra. Ce disque contient les enregistrements de toutes les transactions de Fatra. Sa paranoïa le perdra. Vous allez devoir accéder à ses archives pour trouver le disque. Il faut donc piquer les codes de sécurité chez les gardes du palais. Vous l'avez dit, ce Hutt est paranoïaque. C'est noté. Une fois que vous avez atteint les archives, utilisez cette clé d'intrusion sur l'holodisque. Il montrera alors Fatra en présence d'officiers de la République. Apportez ensuite le disque falsifié à Todd Lazen. Ok. Ça me changera des vraies missions. Quand Todd Lazen sera convaincu que ses ennemis se sont alliés à la République Galactique, soyez-en sûr, il viendra réclamer notre soutien. Nous sommes en fin de partie. Callio vous accompagnera dans cette mission et sera sous vos ordres. Ah, on va pouvoir expérimenter les compagnons. La dernière fois que je suis allé au palais de Fatra, j'avais pris tellement de dopants que j'ai mis une semaine à atterrir. Ça devrait être amusant. Ouais, on a Callio comme partenaire et voyez-vous, elle nous suit comme un petit chien. Elle m'a... On dirait une arène, elle est tellement maigre. Oh là là. Oh, personnalisation de Callio Janis. Se lier en ramassant. Personnalisation. Ah, j'hésite, je sais pas. On va mettre 3. Allez, 3. Et on est bientôt niveau 10. Bon, je sais absolument pas ce que ça a changé, mais bref, on s'en fout. Allons faire la quête. Oh, et on a un nouveau, une nouvelle barre qui est apparue ici. Crânerie, détourne l'attention des cibles. Elle a, pouvoir, elle a plusieurs pouvoirs, et je suppose que c'est à nous de lui dire de le faire, quoi. Et encore une quête. On va la prendre. Hé, hey, vous. J'ai cru comprendre que vous travaillez pour Nemro. Je veux dire, je vous ai souvent vu dans le coin. T'es une tête bizarre, mec. Alors, j'ai raison ou pas? Non. Vous travaillez pour le grand patron? Non, c'est pas vrai. C'est une allusion. Une allusion. C'est une illusion. Qui êtes-vous? Vous semblez en savoir long sur moi, mais je ne sais rien sur vous. Oh, elle m'aime bien, l'autre. Je m'appelle Urgrec. Vous avez dû entendre parler de la petite ménagerie de Nemro dans les enclos des bêtes, là-bas. Et tout est fait. C'est moi qui veille à ce que les enclos ne désemplissent pas. J'ai une proposition qui, à mon avis, devrait vous intéresser. Aidez-moi, aidez Nemro et aidez-vous au passage. Mais il faut de la force et du cran. Venez déjà au fait. Si ça doit nous mener quelque part, faisons vite. Le grand patron veut un rancor. Les plus grands Hutt en ont tous un. Nemro en veut un. Vous allez lui en trouver un. Un rancor. Je sais ce que vous vous dites. Un rancor. Comment est-ce qu'on peut attraper un rancor? Une créature de 7 mètres de haut capable de ne faire qu'une bouchée d'un homme. Eh bien, ne vous inquiétez pas. J'ai tout prévu. Parlons argent. Tout ce qui m'inquiète, c'est ma paye. Quoi? Vous croyez que Nemro ne peut pas payer ce qu'il veut? Bien sûr que si. Il paiera un très beau prix pour un rancor, ou pour un œuf de rancor, pour être plus précis. Le bon à rien qui sert de dompteur de bête à Fatra s'est déjà procuré un œuf de rancor. On ne peut pas laisser cet œuf éclore et permettre à Fatra d'avoir un rancor adulte avant l'Emro. J'ai besoin que quelqu'un vole cet œuf et détruise les œufs de ces autres créatures. Il faut donner une bonne leçon à ce dompteur. Vous pouvez vous en charger? Je ne refuse jamais une occasion d'être payé. Génial! Je savais que vous le feriez pour ça. Ça, c'est pour nous. Une lueur qui ne trompe pas dans vos yeux. Il y a un petit détail que vous devriez savoir. Oh, c'est un petit peu féroce. Il se trouve à l'arrière des enclos des bêtes de Fatra. Ce qui veut dire que vous devrez vous battre pour l'atteindre. Mais rien d'insurmontable pour vous, pas vrai? Ouais. Bonne chance. Ouais, ouais. Alors, pour ceux qui se rappellent pas, les rancors, c'est les... la grosse bestiole qu'il y a dans le sixième film. Le retour du Jedi, il me semble que ça s'écrit. Que ça s'appelle le il film. Il faut aimer la musique et ne pas craindre les odeurs. Je suis pas sûr. Si on survit à ça, c'est la zone tu me devras. Ok. Bon, je sais pas si on va la faire cette mission. Je pense que je vais plutôt. Ouais. Prioriser la quête de classe, hein, si ça vous dérange pas. Après, je pense que je la ferai tout seul. Hein. Là, c'est pas très important. Et donc, je disais, le rancor, c'est la grosse bestiole qu'il y a dans le sixième film de Star Wars où. Alors je sais plus, ouais c'est Leia, ouais. Enfin Leia plutôt. Qui... ouais qui se fait envoyer... Non c'est pas Leia non. C'est Han Solo, mais je... En fait je sais plus putain, mais pourtant ça fait pas si longtemps que ça que je l'ai vu le film. Bref. Enfin que je l'ai revu plutôt.
Bon, on va prendre le truc ici, hein. Ouais, on va pas se rallonger. On va aller prendre la moto jet. Choisissez votre destination. Ouais, je choisis ma destination. Et on profite du spectacle. Ah oui, mais est-ce que l'autre cruche, elle va nous suivre? Ah oui, merde, ça, j'y avais pas pensé, ça. Oh! Ok, je me suis pris notre moto jet, no problème. On va regarder la map en attendant. Alors, on va devoir aller au palais de Fatra, ouais, qui se trouve en gros à l'opposé. Ouais. Ce qui est un peu stupide, en fait, ils sont juste à côté. J'avais pas remarqué, mais il y a les coordonnées ici, donc si jamais on veut savoir exactement où on est, par exemple. Ah, bah, il y a une quête ici, tiens. Bon, les petites quêtes comme ça, là, le secondaire, on va dire, je les ferai tout seul, hein, juste histoire de gagner plus d'XP, mais... Voilà, je vais essayer d'avancer plutôt vite, parce que sinon c'est la mort, quoi. On quittera jamais ce putain de trou. Oula, j'étais en train d'essayer de sprinter. D'ailleurs, il y en a une quête ici aussi. Bon, on va en profiter pour la prendre. Comme ça sera fait, mais... Psst. Hey, vous, il faut que je vous parle. Vas-y. Vous allez au palais de Fatra. Non. Si vous êtes suffisamment fou pour y aller, on doit pouvoir s'entraider. Ça vous intéresse de gagner quelques crédits? Vous avez des crédits? Ça donne envie d'en savoir plus. Je travaille pour Nemro. Mon partenaire aussi, jusqu'à ce qu'il se fasse attraper là-bas, au palais. Il s'est fait passer pour un agent de l'entretien pour placer des émetteurs sur les droïdes de nettoyage. On voulait se servir de ces émetteurs pour suivre les déplacements des droïdes. Quand ils nettoient les sols et les murs, on peut avoir un plan précis des infrastructures. On espérait pouvoir trouver des entrées secrètes ou des pièces cachées dans le palais. Désolé les amis, je reprends. Excusez-moi, hein, c'était pas prévu, c'est mon Skype. Alors, le plan a échoué. Alors, votre partenaire n'a pas pu installer les émetteurs? Eh non. Si. Mon partenaire a pu placer les émetteurs sur les droïdes, mais il a été démasqué avant de pouvoir les activer. Si j'essayais d'aller là-bas et de finir le travail, je me ferais tuer. Mais si ces émetteurs ne sont pas activés, je mourrai aussi. Nemro ne supporte pas l'échec. Je vous donnerai tout ce que j'ai pour que vous activiez ces émetteurs. Ouais, bah donne tout ce que t'as, hein. Ok, bah si tu veux. J'imagine que bien, je peux essayer. Je vais détruire le palais, quoi qu'il en soit. Je vais voir ce que je peux faire. Bon, bah je tout ferai ce ça que tout vous devez seul. Faire, c'est trouver les droïdes de nettoyage et appuyer sur l'interrupteur qui est relié à l'émetteur. Ok, ok. Je vous attends. Ok, bon, voilà. Il nous a filé sa quête, le gonze là. Bon, on va se dépêcher là, on va se grouiller d'aller parce que sinon on va mettre 50 ans là, on a rien foutu. Putain, toujours plus de quêtes. Ah bah eux aussi ils ont... Bah en fait, l'autre, Kallio, elle s'est démultipliée en... C'est assez chelou. En fait, oui, tous les joueurs ont Kallio comme... Pardon ? Abattre les hommes de... Ah oui, d'accord, à l'attaque. Et j'ai mon Facebook. Oh là là, décidément. J'ai vraiment pas de chance. Là, j'oublie à chaque fois d'éteindre. Ah, c'est bien ça. Elle ramasse les items. Les loots, plutôt. Ça, c'est plutôt utile. Ah, attendez. Là, je sens que je vais me faire attaquer. Non, c'est bon. J'ai réussi à passer. Quel filou. Magnifique. Oh là là, c'est catastrophique, on n'a rien foutu. Affaire à régler. Ah oui, je dois placer des émetteurs. Mais ça, je le ferai tout seul. Comme j'arrête pas de le dire. Faut faire attention, il y a des mecs cachés un petit peu partout. Il y a des plantes très cheloues. Alors, qu'est-ce que je... Ah, c'est ce glandu là. Ah, attendez. On va la faire là. À la filée où Hop. Alors on va essayer de faire les pouvoirs. Ordonne à votre partenaire d'attaquer. Oh, elle est sympa, Kallio. Putain, faut que je retienne son nom parce que sinon. Ah non, c'était pas ça. Attendez, je vais faire quoi? Noyau énergétique désactivé. Attendez, on va le prendre, on sait jamais. Ça, on va le virer. Hop, on va prendre ça. Ok. Alors, le palais, c'est où la porte? Ah d'accord, ok, c'est en haut. On monte ça direct, on saute, tech.
Et là. Oh, mais ça va, hein, j'adore le palais, tu sais, y'a personne devant. Ah, si, mais ils sont là-bas en train de se. Le palais de Fatra. Toi, tu touchais. Le même style hut avec une puissance de feu largement supérieure. Ok. On pourra y aller quand tu voudras. Ah, oh, ouais, sympa, hein. Moi, ça me dérange pas si tu veux, quoi. Non, on va pas faire ça. Sonde de nettoyage, on s'en bat les steaks. Ça, c'est quoi, la nouvelle vérité? Alors, juste, je vais regarder comment ça pète notre quête de classe. La nouvelle vérité, ouais, c'est bien ça. Alors, la nouvelle vérité. Ok, c'est juste devant, on y est. Allez, attaque! Alors là, adopte une posture défensive. Là, c'est quoi? Ordonne à votre partenaire de cesser de combattre. Bon, en fait, j'ai l'impression qu'elle a l'air de gérer plutôt... plutôt toute seule. Et c'est quoi que je dois faire, là? J'ai l'impression... Ouais, c'est ça. Acquérir des codes d'accès. C'est quoi les codes d'accès? Y a pas de code d'accès, là. C'est quoi les codes d'accès, bordel? Y a un droïde. Et alors là, je sais pas du tout où il faut que j'aille. Et c'est la catastrophe. On n'a pas fini. Bonbonne de stockage de liquide. Bah, c'est génial, je m'en fous complètement. Mais le seul petit problème, c'est obtenir un code d'accès. Ah, bah faut peut-être que j'attende qu'il ripop et... Tiens, on va en profiter là. Tac, voilà. J'ai mis un émetteur. Oh, le shot! Ça, c'était beau. Et le problème, c'est obtenir, acquérir des codes d'accès, quoi. Je ne sais pas. Comment fait-on? Bah, c'est ça, j'ai l'impression qu'il faut attendre. Ah, mais ils sont puissants. Ok, bon. C'est pas le même level, là, j'ai l'impression. Donc, j'essaie de gérer la caméra du mieux. Alors. Ah voilà. Et mon inventaire est plein malheureusement. On va balancer ce truc. Tac, hop, je récupère le code d'accès. On rentre tout. Hein. Le seul truc, évidemment, c'est que il m'en faut un deuxième. Et oh. Ah oui, mince, je suis sur la mauvaise barre. D'accord, il s'est fait déglinguer lui. Bon, faut que j'attende qu'il y ait un autre clampin comme celui que je viens de buter. Putain, mais c'est un carnage ici, hein. Salut. Putain, mais je m'incruste. Yo les. Oh oui, alors celui-là, ça c'est un lieutenant. Voilà, ça c'est parfait. Tac, la petite sonde. Oh, ça ça fait. Ah oui, merde. Il y en a encore à corps. Bien joué, ça c'était beau. Et mais il vaut rien lui en fait. Mais Kallio, elle est vraiment très puissante. Attendez. J'ai encore plus de place. Qu'est-ce que je vais balancer? Qu'est-ce qui pourrait être utile de balancer? Pop pop pop. Bon, on va balancer. Ça, ça sert à rien, ça. Allez, hop, on vire. Tac. On récupère ça. Et on se casse. Accéder aux archives de Fatra. Alors les archives de Fatra, je suppose que c'est quoi? Peut-être ça là. Ah ah! Trouvé! Archive de Fatra! Bonus détruire les caméras de sécurité. Tout à fait. Alors il y en a que deux ici. Attendez, c'est dans tout le palais ou juste ici? Ah! Bonjour messieurs! Ah oui, ça c'est sympa ça. Ok, on est à plusieurs. Tiens, prends ça, c'est qui a merde. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Oh, oh. Bon, ça sert à rien. Je comprends pas comment on fait pour accéder aux archives. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Là, c'est un émetteur. Voilà. C'est bon ça. Mais le problème, c'est que... Voilà, quoi. Ah ah, c'est peut-être ça, non? Attendez. Alors là, je suis où?
Ah, mais non, ça a changé. C'est bien ce qui me semblait. Putain, je suis vraiment un boulet. Bon, cet épisode va durer un peu plus que 30 minutes. Ah, je vais essayer de péter toutes les caméras. Puisque c'est une mission bonus. Cet épisode va durer 40 minutes, on va dire. Hein. Il va durer 10 minutes de plus. Oui. Tout à fait. 10 minutes de plus. Ok. Ah, c'est peut-être ça. Sanctuel. Non, ça, c'est l'ascenseur, en fait. Je suis un petit peu con, moi. Une autre caméra ici, on va péter ça. Et il y en a trois autres là-bas. Ok. Oh, au final, on en a besoin que de péter celle-là. Aucun problème. Voilà, nickel. Yeah! Sans laisser de traces. Donc maintenant. Oh bah, tant qu'on y est, on va aller régler cette sonde à la con sur un autre droïde. Comme ça sera fait. On va par là et je suppose qu'on va devoir... Ouais, on va devoir monter. Alors, c'est toi le droïde? Ah! Varl, c'est quoi? Élément d'histoire. Ok, ça m'a fait 400 d'XP. Et hop! Un émetteur. Nickel! Rejoindre Crollo, je sais pas qui là, bref. Un mec! Un Gus. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas ça, c'est accéder aux archives de Fatra. Donc le truc... C'est qu'il faut monter ici, voilà. Nickel. Niveau 2. De toute façon, on a des quêtes dans chacun des niveaux, alors. Ok, merci, monsieur l'ascenseur. La nouvelle vérité, c'est ici. C'est bien ici. Alors, j'espère qu'on va pas rencontrer... Ah oui, elle a aussi des dialogues. Enfin, des expressions. Ça, on va se le faire. Ah, grenade. Et elle fait beaucoup de dégâts, Calio. C'est incroyable. Plus de crédit. On s'en bat les steaks. Vu qu'on a plus de place. Ok, donc là il va y avoir une cinématique. À moins que... À moins que non, peut-être. Ah, un ordinateur à pirater. J'aimerais bien avoir le même, tiens. Ok. Cinématique. Et oh, bitch! Ouh, t'as une sacrée tête de bite. Tout est fait d'accord. Putain, t'as les yeux bizarres. Qu'est-ce qui t'amène ici? Fatra a fini par te dire de venir voir ce qui se passait? Ouais. Ça, c'est ce que tu crois. Chez toi, non. Tu ne mises que sur des valeurs sûres. Jamgam nukara nukara. Kam namgam gek arega naya. Restons ça. Pas de formalité entre nous. Sabre tout court, ça suffira. Oh. Non me voulait pour lui tout seul quand je suis arrivé sur Uta, mais il n'en avait pas les moyens. La pora mamka, mamni nigak, nagnaya mamni kangram. Ah ouais, on va devoir mourir tous les deux. Bon bah c'est vous qui allez mourir. Puisqu'on en est aux promesses, je veillerai à ne pas. C'est parti pour du combat. Naya memgem kaligam. Je savais qu'on s'amuserait bien en venant ici. Mais oui, tu vois, tu l'avais dit. Allez, c'est parti. Ils sont où? Grenade. Ah, mais ils sont au corps à corps. Merde, c'est 6. Oui, c'est vrai que ça a changé. On va faire un peu de corps à corps, les amis. Toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Holy. Le tir embusqué qui tue. Eh, hey, c'est tout. On les a déglingués. Et ils donnent beaucoup d'XP. Ils espéraient nous tuer avec des vieux sabres à la con. Et on est obligé de repirater le truc. Eh bien voilà. Il ne reste plus qu'à espérer que ton chef sache faire des trucages convaincants. Ouais. Bien sûr, il va y avoir un bain de sang quand Nemro et Totlazen vont voir ce qu'il y a sur le disque. Ouais. Silence. Je n'ai pas besoin de conseils. Je disais juste ça pour te prévenir. Si ce disque dévoile tous ceux qui ont fait affaire avec Fatra, il doit y avoir au moins la moitié de Jiguna. Marchand, gangster, débiteur, bref. Ouais, mais j'ai perdu un point. Quand Nemro saura ça, il voudra faire payer tous ceux qui ont osé traiter avec Fatra dans son dos.
Mais non. Et alors? Pourquoi devrais-je me sentir concerné? Juste au cas où tu serais intéressé par le spectacle. Si ça te rend mal à l'aise, tu peux toujours effacer les autres données et rayer le disque. Ça donne l'impression que seules les images truquées ont miraculeusement survécu. Elle a vraiment le teint sombre. On livre donc le disque falsifié sans les vraies données, et Nemro ne tue pas la moitié de la planète. Le risque serait que Tot la Zen devine que tu as effacé les bonnes images. Hors de question. Je vais pas prendre le risque de menacer la mission pour sauver les racailles du tas. Oh ouais. Tu es vraiment dévoué, on dirait. 30 ans. Bien que cette mission plus 50 ans, je suis parfait. Bien, livrons ce truc à Tot la Zen et voyons ce qui va se passer. Ouais. Allez, c'est parti. On se casse d'ici. Bon, je pense qu'on va finir cette mission. On parle à Tot Bidule là et après on va couper. On va couper. Hein. Ah, parce que là ça fait un petit peu longtemps. Par contre, alors si... Ah mais non, mais faut que je redescende. Ah putain. Oh bah regarde, il y a ton double Calio. Ton nom est chiant à prononcer. Enfin, il est pas chiant à prononcer, mais vu qu'il ressemble à un autre nom dans un autre jeu. Voilà quoi. Et on descend niveau 1. Arrivederci. On y go. Oh, je me fais agresser. Oula, j'ai cru qu'elle allait dire autre chose. Vas-y, je te laisse le. Pourquoi je. Allez. Eh. Oula, j'ai pas trop compris. Et on atteint le niveau 10. Youhou. Bon bah je vais aller acheter les compétences et on se fait encore attaquer, putain, mais décidément. Oh les mecs, sérieux là. Attendez, on va faire ça. Tiens. Oh. Tiens. Et lui il a pas compris. C'est quoi ça? Laissez passer d'urgence. Et flûte. Je viens de... Je sais pas ce que... Merde. Ok, bon. J'ai perdu beaucoup de vie. Ah, mais elle peut faire des sauts de fou, en fait. La cible est morte. Ok, bon. On va faire de la récupération. Alors, le truc que je ne sais pas, c'est si elle fait de la récupération aussi pendant que... Ah, bah, ok, non. C'est bon. Ok, pas de problème. On récupère, bien sûr, la thune. C'est ce qui est le plus important. Et on se casse d'ici. Bon, je pense que j'aurai pas le temps de revenir. Bon, bah je vais finir la quête de classe si ça vous dérange pas. Bon, si ça, de toute façon que je vous pose la question ou pas. Je vais finir la quête de classe tout seul, voilà, comme ça vous aurez pas. Enfin, le prochain épisode normalement sera sur une autre île. Ah, oh, j'ai gagné le sprint. Ah, enfin. Voilà les amis, j'ai le sprint. Qui n'est pas constant. Si, heureusement. Heureusement. Ouh. Heureusement. Bon ben, c'est parti. Hein. Non, c'est pas ça. C'est ça. Allez, j'y vais. Je me taille de ce trou. Alors j'ai l'impression qu'il faut pas arrêter de cliquer pour avoir le sprint continu. Mais ça m'augmente pas beaucoup hein. Je pense que je vais pouvoir l'améliorer parce que là c'est vrai que c'est pas génial. Et il y a la masse d'ennemis ici, c'est incroyable. On se dirige vers où? Ok. Bon ben ouais, je vais couper ici. Donc les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer la quête de classe et on pourra se casser d'ici au prochain épisode. Donc sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu. Laissez un petit j'aime, un petit commentaire et n'hésitez pas à vous abonner. Et dans l'épisode prochain, on sera toujours, enfin de nouveau en compagnie de Stags. Vous allez voir, ça va être sympa. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.